Et re-bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais, de retour. Après cette petite pause du midi sur Philibert de Marichon. Philibert qui va devoir passer de toute urgence au... ainsi qu'au gastro... copain. Puis le gastro. Soixante-six reprises de service en temps de dispatch. Faites un retour PDP au partir en Delta. Je suis devant. Eh bien, Merci, j'ai qu'un des deux bonjour. des frères, Bonjour. justement. 66. Oui. T'étais là hier soir? Les frères Mimoud. Jusqu'à quelle heure? Je sais pas, t'as couru Qu'est-ce hier qu'ils ont soir les ou pas? frères Mimoud? Non, j'ai pas couru. Il n'y en a qu'un des Eh deux ben, il y dans a le 5 tours tunnel. de PDP à faire, c'est offert par ceux qui remplissent pas les voitures. Ah, bien sûr. Eh ben, je vais commencer par là-bas. Eh ben, bon tour de PDP. 5. Allez, 5. Vraiment ouvrir. Ah, c'est le verre. J'ai 5 tours de PDP à faire, je reviens. Et deux, hein. Et plus que 4. Il est deux. Pas de tour de programme. Pardon, 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 pardon. Plus que deux. Non. Si. Si, plus que deux. Attends, j'ai fait deux. On fait mon troisième. Ah non. Et deux, trois. Plus que deux maintenant. Ah! Là, plus que deux. Je suis avec toi. Et c'est le quatrième, plus qu'un. Bon, c'est le dernier. Allez, courage. Une sacrée distance quand même. C'est pas vrai. Je ne m'arrête plus. Là, c'est bon, c'est Je suis fait. absolument pas d'accord. Ouh. Vas-y, bah, je te laisse. Ça va? Toi aussi, tu fais partie de ceux qui payent les pleins mais qui courent. Exactement. Ok. Oui, elle est pas à Attends. 100%, on a déjà fait un petit tour. Non, Sinon, non, c'est pas je te ça. ferai le plein. C'est que j'ai un problème de volant a priori. Ah merde. Il faut remédier à ça. Ah bah oui, c'est mieux pour conduire. Bah oui. Ah non, c'est pas ça. Lutte. On a une sub qui a sonné deux fois et le temps d'y arriver il n'y avait plus rien. C'est le seul truc que D'accord. j'ai vu.
Depuis ce début d'après-midi. Une sup minute. Ah. Après, sup de la Grette, le temps d'arriver là-bas. Ah oui, d'accord, oui. En plus, c'est ce que je disais, c'est 12 qui était avec moi. Je suis pas le meilleur pilote du monde, donc je préfère y arriver, arriver entier, mais un peu en que de pas y arriver du tout. C'est ça. On a tendance à passer pour des cons quand on part à toute blinde et que AVP, bon ben, bon courage, hein. Salut, bisous. Bonne chance. C'est ça. On se revoit à la prochaine, hein. Je vais faire un tour aux EMS et au garage. J'ai réussi à refiler la centrale à 12 en plus. Bien joué. Bah alors. T'arrives à régler ton volant? Bah ça a pas envie là. Ouais, j'ai des petites jambes donc j'ai tendance à le descendre un peu, c'est. Désolé, je l'avais réglé pour moi. Mais non, ça c'est bon. Ah, attends, on va changer de méthode. Et il nous est rentré dedans, non? J'ai un senti. Je crois que c'était pas loin, mais j'ai un senti. Couper le moteur, ça a rien d'utiliser les transports, rien. Bonjour. Je crois que c'est Monsieur Shark. Bonsoir. Mais il parle fort. Tentative de vol au-dessus de l'aéroport. Ok. Ah bah ça bosse pas beaucoup de ce que je vois. Hein. J'ai un problème de volant. Ah merde. Bon bah prenez soin de vous, pas de bêtises, et si vous me contrôlez, s'il vous plaît, me mettez pas d'amende. Ok, attends, je mets le radar. Compte pas sur nous. On l'a chopé ce matin déjà. Bon, pourquoi ça veut pas? Je comprends pas. Tout va bien? Ouais, bah je vais devoir changer de méthode. Bon, il fasse des pneus. Non. Là, ça veut pas. Non. J'ai tellement hâte qu'on ait des Manny, bon courage. Mais pour une fois, je n'ai pas pris mon service, t'as vu ça? Il va faire de la merde, je le sens devant, il va faire de la merde. Vous allez où là? On va sauter. Oh putain, adieu! Vous faites des trucs de ouf, il me reste encore 6 toits. Bah, si tu veux, je peux rester avec toi, hein. Mais il faut que je passe aux EMS vraiment. Hein. Alors, je viens de regarder devant moi et je vois un véhicule qui fait des tonneaux là-bas. Non, moi j'ai pas. Dans 2 jours, tu pourras. Par contre, je vois un taureau qui nous bloque. Ça va mieux pour ton volant, c'est bon? Non, j'ai changé de méthode, mais. Là, la voiture de droite, tu la vois dans quel état? Sans capot. D'accord. Oui, bah, c'est celle-là que j'ai vu faire des tonneaux et. Ok. Et qui a semé. Il se passe des choses bizarres des fois dans cette ville. Ouais. Ah, je regarde un petit truc aussi. Ouais, si, mais pourtant, pourquoi ça veut pas alors? Ça n'a aucun sens. Je peux pas t'aider, bon. Désolé. Ouais. Ouais, non, non, c'est bon. Il y a du temps. Je fais ça et que je refais ça. Ça dit quoi?
Ah bah voilà. Est-ce qu'on est bon là? Oui, parfait. Tout voilà, pareil, je peux pas te dire résolu. À ta place. Ok, nickel. Ça me rassure quand le pilote a, a le volant entre les mains. Si, on va faire un petit, petit stop. Ok, t'as vu le panneau publicitaire? Oui, j'ai vu ça. Pour les élections? Ils ont fait ça bien. En effet. On va faire un petit arrêt. Et puis Pearl. Si tu veux. Moi, pour le coup, c'est bon. Pearl, ouais, je peux prendre quelques trucs. Delta 1, direction café. Centrale, c'est bien pris. Ah bien. Bonjour. Il y avait un piéton devant, là. Oui, il a disparu. Je suis d'accord. Ici. Non mais il y a des ninjas ici. Ouais. Et c'est tout bon. Ah mince. Et j'ai oublié que j'avais mis la ceinture. Ah bah oui. Bon, faut que je parle au garagiste moi. Hmm. J'ai demandé une couleur de voiture que personne n'a. C'est la même que celle qui est derrière. Ah et il l'a pas trouvé? Ah non, mais je lui ai demandé de m'en faire une que personne n'avait. Et bien, visiblement, il y a des gens qui l'ont. Ah, d'accord, ok. Moi, je vais mettre toutes mes voitures en rose maintenant, comme ça, au moins, je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura 72 qu'il y en aura. Ah, bon, allez, on se partagera ce, ce super style. Bah, carrément, t'as raison, oui. Mais ouais, du coup, faut le louer, comment ça marche le machin? Faut demander au gouvernement. Je crois qu'il faut voir ça avec le SA Presse. Ok, attends, je note ça parce que je vais oublier. SA Presse Studio, ok. Et puis, vous, ça marche comment? C'est les gens payent et puis ça se débrouille ou c'est à la fin? Bah, vous faites une facture comme vous voyez le truc? Bah, ça dépend comment vous voulez fonctionner. Soit vous faites une grosse commande et c'est en libre service pour le. Bah, c'est. On sert les gens, soit vous nous demandez de venir et nous, on facture en facture. Bah, je vais y réfléchir, ouais, du coup. Ouais, je vais réfléchir. Ah bah d'accord. En tout cas, merci. Et puis, ouais, comme je disais, ça va prendre quelques semaines le temps que. Ah bah oui, surtout qu'en ce moment, il y a le Gone Talent qui est un peu aussi un. Bah c'est le même délire. Oui. C'est pour ça que. Et Gone Talent, c'est pour quand déjà? J'avais. Je sais plus quand elle est la deuxième session. Bah c'est ça, j'avais vu les auditions, mais j'ai pas vu. Après, ouais, il faudrait pas être en même temps trop. Moi, je vais réfléchir. Ouais. Bon, bah, ça roule. Merci, Lulu. Tu veux peut-être mon numéro au cas où? J'en sais rien. Ah, bah, oui. C'est combien? J'ai 3715. C'est ça. C'est 3715. Isia. Du coup. Bonjour. Et bonjour. Bien, bonjour. Ah bah tiens, Nick. Ça va et vous? Ouais, ça va super. Et du coup, j'ai pris des forces bleues pour vous. Non, toujours pas. Non. Ouais, d'accord. Vous n'avez pas de la mettre. Alors, non, toujours pas. Oui, c'est vrai, non, vous en avez pas. Vous m'avez dit, faut que j'aille à la messe. Non. Ah bah j'ai pris non, faut aller nulle part. Ah ouais, vous avez pris de la mettre. Non, des forces bleues. Mais oui, je t'écoute, Lulu. Du coup, ton numéro 3715. Et attendez. Oui, bah, la croix des guerres, il voulait que. Et voilà pour vous déjà. Il voulait me prendre le rétroviseur et les jantes pour les revendre. J'ai essayé de m'écarter. Comment ça va, Max? Ouais, bah ça va, et toi, Dieu? Bah ça va, tranquille au bilot. Ouais.
Tiens, tes petits macarons. Ah ouais, c'est pas dégueu ça, moi j'aime bien. Il m'a demandé si on avait du LSPD, une nouvelle en Grandville. On en a tellement, quoi. Ah bah, faut la dose, oui. Ouais, il en faut peut-être beaucoup plus, ouais. Mais on a, bah, là, oui. J'ai fait un peu de stock pour nous. Oui. Ouais. Non, parce que la mettre, normalement, ça me fait plein direct, quoi. Ah bah, oui, mais c'est justement, c'est un peu trop costaud quand même, faut y aller tout doux. Hein. Ouais. Mais ah bah, du coup, c'est bon pour toi, Lulu, ouais. Ouais. Bon bah, ça roule. Bah, bon courage, bon après. Bah, toi aussi, ouais. Allez. Ouais, salut, j'aime bien ta veste. Hein. Ah bah, moi aussi, oui, c'est pour Halloween. Cool. Eh bien, bah, bonjour. Comment allez-vous? Bah, très bien. Bah, ma foi, ça va tranquille au bilou, hein. Ah, mais c'était trop bien. Il me faudrait 25 jus de science en. Parce que c'est d'abricot. Eh ben, j'ai d'abricot. Il faut pas de boisson chaude? Non, ça va, j'ai encore du thé. Oui, ok, je vais te chercher ça. Merci bien. Ce que j'entends, c'est quand même pas de monsieur. De quoi? Vous parlez de maître et que vous avez volé des fringues à quelqu'un? Ouais, mais c'est parce que c'était un con, c'était un bon joueur avec sa grosse voiture. C'est la défense des d'une odeur. Ah ouais, ben, je l'ai sorti, je le tamassais la gueule. Ouais. Alors, et puis, il avait des bonnes chaussures. Oui, ceux qui ont marqué police dans le dos, quand c'est comme ça, vous venez nous voir et on s'occupe de lui. Mais ah ouais, merci bien. Oui. Vous me donnerez de la mettre. Alors, non plus. Non, on fait pas ça, normalement. 1250 $. Parfait. Voilà pour vous. Ah ouais, mais non, mais je suis allé les voir. Eh ben, merci bien. Ils en décrochent pas du tout. Merci à vous. Non, mais je crois pas que le collègue ait besoin de quelque chose. Oui. Non, mais peut-être lancer le processus. Bah, je vais regarder un petit truc juste pour être sûr. Mais c'est pas simple, hein, parce que du coup, monsieur, ça fait combien d'années déjà que vous en prenez? J'ai oublié. Ça fait 50 ans que je m'en Ah oui, d'accord, quand même. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je comprends pas les gens qui disent qu'il y a des effets sur mon air. Ouais. Il y en a pas du tout, moi, je vais très bien, moi. Bah, il y en a, mais vous êtes chanceux quand même. Ouais. Oui, mais faites attention à vous. Quoi. Puis du coup, j'imagine que vous. Je parle avec votre chef, hein, bon, parce que ça va pas du tout, ça. Qu'est-ce que ça arrive? Ben, parce que vous prenez de la mette aux gens, hein, vous la détruisez. Mais c'est pas bien pour la planète. C'est illégal, surtout, en fait. C'est pour votre santé qu'on fait ça. Ouais, mais du coup, moi, je veux la recycler, ouais. Ce sera mieux pour la planète, ouais. Vous voulez la recycler comment? Ouais. Ben, moi, je me fais embaucher en SPD, ouais. Et puis après, moi, je fais les saisies. Et je la recycle. Ouais. Mmh. Ouais, comme ça, plutôt que de la détruire, vous voyez, je la consomme, quoi. Ouais. Ah oui, mais ça risque de vous. Ouais. De nuire plus qu'autre chose. Ouais, c'est compliqué. Ah ça, non, quand même. C'est un geste pour la planète, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas demandé au niveau de la dentition, ça va vous ouais. Avez... ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas compliqué. Oh, bah non, il y a quelques-unes qui manquent, quoi. Mais bon. Ouais, vous savez, c'est normal. C'est à force de manger des trucs un peu dégueu, quoi. Mmh. Ouais. Parce que les nouilles chinoises, c'est acide. Ouais. Oui, c'est sûrement les nouilles. C'est bah aucun rapport avec la mec, ce sont les nouilles. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est parce que les gens, ils veulent que je boise du jus, là. Ouais, le jus, c'est pas bon pour la santé. C'est comme l'eau, c'est dangereux. Le jus, c'est pas bon. Aussi, c'est excellent pour la santé, le jus. La bière, c'est meilleur, ouais. Ah, mais... ouais. Ouais, ouais, faut boire de la bière. La bière, c'est bon. Ça a des céréales dedans. Enfin, des trucs qui viennent dans la terre, quoi. Ah oui, au moins une fois des céréales par jour, c'est conseillé, oui, mais peut-être pas celle-là. Ouais, c'est bon. Bah, techniquement, dans la bière, il y a tout pour survivre, hein. Sucre rapide, sucre lent, céréales, fibres. Ouais, c'est ça, ouais. Écoutez, alors... Dieu, il a toujours raison, ouais. Mais du coup, je vais vous explique un truc. Si vous mangez pas super bien, visiblement, par exemple, les nouilles chinoises vous font mal aux dents, potentiellement, vous risquez de mourir prématurément. Ouais. Donc, vous consommerez moins de mètres. Donc, c'est pas rentable. Il vaut mieux manger. Ah ouais, comme ça, si je mange mieux, je peux prendre plus de mètres. Ouais. Voilà, ouais, c'est exactement ça. On va commencer déjà par la santé alimentaire. On verra. Ouais, vous avez des déjà bons la santé. Conseils, ouais. Oui, je suis pas sûr que ça soit la priorité. La santé alimentaire. Mais... étape par étape. Ah ouais, d'accord. Petit à petit, la mettre, c'est un gros pas pour l'arrêter. On va déjà essayer de mieux manger. Ouais. Il y a le docteur, il m'aide. J'ai pas suivi ça. Il m'aide. Ouais, ils m'ont donné. Ils m'ont donné une autre drogue, mais bon, elle fait pas beaucoup d'effet, je crois. Ils y connaissent pas beaucoup. Ah bah, ou au contraire, on s'y l'impression que quoi, LSPD, vous y connaissez un peu mieux, quoi, quand même. Ouais. Ouais. Ouais, enfin, on s'y connaît. Nous, on sait ce qui est légal ou illégal. Ce que vous donne le médecin, c'est légal. Ce que vous trouvez ailleurs, c'est illégal.
Ouais, mais par exemple, j'ai dit, on peut remplacer la mède. Vous me donnez pas de la mède, vous me donnez de la morphine, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, oui, c'est pas mal aussi. Oui, monsieur a essayé. Ouais. Moi, je dis, ce serait bien, en substitution. Ouais. Alors, ben, on a déjà parlé. Après, ça sera plus méthadone, il y a d'autres produits, quoi. Non, mais lui donnez pas des idées non plus. Ah ouais, mais si non, vous... non, non, mais c'est bien, il a dit qu'il me donne la mette, là. Il m'a dit méthadone, ouais, il me donne la mette. Bah, ouais. C'est un substitut, oui. Ouais. Ah, mais moi, si tu me la donnes, ça me substitue bien, ouais. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Je crois que ça va être cliqué. Oui, ouais. Oui. Ouais. C'est un travail de longue haleine. Non, toujours pas. Non. Oui, pour les revendre. Ah oui, mais quoi ? Non, parce que comme ça, c'est pour m'acheter à manger, quoi. Vous avez dit quoi ? Bah, aller travailler à l'intérim, quoi. Ouais. Ah ouais, mais c'est dur, hein. Oh, la dernière fois, je suis allé faire du blé, tout le blé m'est tombé sur la gueule. Ouais. Ah bah, si le blé vous va pas... Le blé m'est tombé sur la gueule, en béton. Ah, il fallait pêcher sa manette aussi ? Oui, c'est pas ça. Après, j'ai eu des grains de blé qui étaient coincés dans mes croûtes, là. Ouais, c'était chiant. Ouais. Et j'ai failli m'arracher des croûtes pour enlever les grains de blé, ouais. Ouais, ouais, c'est pas cool, là. Je vous laisse, je vais vomir, je reviens. Ouais, ça, ouais. Bah, je vais voir s'il va bien. Et vous avez mangé quoi ? Bonne journée à vous. Il faut faire du recyclage. Hein. Ah, oui, ouais. On va faire ça. Allez, salut. Ça va aller. J'ai trouvé que ça pas. Oh tiens, mais faut qu'on y aille. Allez, c'est parti, nickel. Merci bien. Ouais, je sais pas comment m'en sortir, je voulais essayer de l'aider. Central pour Delta, vous pouvez monter sur route 68. Et c'est fermé. Delta, on y va. Dès que la centralisation aura accepté. Génial. Attends, c'est bon. Merveilleux. Je te mets un point ou on est bon ? Tu peux mettre un point quand même. Yes. Ouais, c'est celle à côté du garage. Garage noir. Oh, mais dis donc, c'est qu'on roule très vite. Bah, pourquoi il... Bah oui, mais pourquoi? Ah, je sais pas. Ah, c'est mieux déjà. Delta 5 km. Bah, tant qu'on arrive, ils sont là sur une autre, je pense. Ouais, potentiellement dans le sud. Vu qu'ils vont se dire, bah, ils vont monter dans le nord. On en parlait. Ça nous fait passer par des villas, cette connerie. Ouais. Tu veux plutôt prendre la freeway ? Ouais. Pas du tout envie de passer par les villas. Prends à droite du coup. Ah ouais, je vais prendre là ou à droite. Ouais, prends celle à droite, on passe devant la Pacifique. On remonte sur la... Je t'ai enlevé les points. Ou tu veux que je te mette des points intermédiaires ? Non, c'est bon. Ok. C'est celle qui est tout à gauche de la route 68 ? Enfin, tout à gauche. Ouais, à côté. Tu sais, comme on va arriver, on passe devant le garage et ouais, c'est celle qui continue. Même à la limite, non, pas forcément passer par là. On peut passer tu par là, passer on par va tu passer par Elgin Avenue devant la Fuente. Ouais, voilà, ouais. Ok. Ouais, comme ça on va arriver nickel. Comme ça on va arriver sur la super directement et on va pas stopper toutes les rues de villa. Ouais, parce que là c'est chiant, ça nous ralentit quoi. Même si en distance c'est plus court. Alors. Ouais. Bien vu! J'ai pas mis le radar. Malheur à moi. Tu voulais aller au Pearl, mais t'as tout ce qu'il faut en bouffe quand même. Ouais, en bouffe ça va, j'ai. Ouais, j'ai encore de quoi quelque chose. Bouffe, ouais. T'as besoin, tu me dis, je te mettrai 2-3 trucs là à bout de bon, ouais. Pas de soucis. Ouais, j'ai déjà rencontré hier lui. Oui, au parking central, il voulait aller au où. C'est là que j'avais pas bien compris, donc je lui ai dit au où, et puis il m'a dit bah où. Ok. J'aurais bien voulu essayer de lui poser 2-3 questions pour savoir où est-ce qu'il chopait de la mettre, mais on n'a pas eu le temps et puis les discussions avaient l'air longues. Non, ouais. C'est ça. J'avais pas vu ça. Oh, il y avait pas de stop, c'est faux. Non. Ah bah non, une fois qu'on l'a couché, c'est bon. Ah, y'a personne. Et Delta 1 est arrivé sur la supérette, t'as rien à signaler devant, on va sécuriser. Central, c'est bien reçu. Allez Speedy, on est là. Allez Speedy, sortez les mains en l'air. On rentre. Et réserve le comptoir.
RS à l'arrière. Nickel. Manu. Bah, désolé pour le retard. RS. On va plus vite la prochaine fois. Au central, c'est bien pris. Après, ici, des fois, ils se calent derrière, ils attendent qu'on sorte pour partir. Alors. Avis, ça part sur où après? Ça monte ou ça descend? On a vu personne descendre, du coup, je crois pas. En tout cas, pas par là. Ouais. On a vu personne passer 150. Devant nous, donc ça serait soit sur la droite, soit en bas. Bon bah, Great Ocean. Hop là, allez, on y va. Et Delta 1, on y va, 5 km sur la route 68. Arrive au bout de la route 68, je ferai un plein d'essence parce qu'on est à 57%. Ouais, ça va faire léger si on part en CP. Ouais. On a une deuxième Delta qui va se faire. Marvel. Pas. Delta 1, si jamais ça part en CP, est-ce que vous pouvez nous faire un barrage du coup si ça descend vers le sud? Appuyez, on fera ça. Merci, on vous tient au courant. Que je te fasse le plein Non, je vais le faire parce que... Ah oui, sinon ça fait que je... Ouais. Faut que je déconne après. Il y a une 4x4 derrière là. Bah faut croire, oui. Bon, ça sent son king. Il y a un ATM. Il y a un ATM là? Je sais pas, non. Faut pas qu'il y ait un ATM là. Pit stop. Jouer. Non, faut pas qu'il y ait ATM. Cette fois, on y arrive. Ouais. Non, il n'y a pas de panneau. Vol. Bah non. Non, mais pas. Delta 1 arrive sur la supérieure, t'as un Yuga devant. Ouais, non, c'est ouais, droite, sur l'autre. C'est celui ouais. On va sur une Xeno, on est tout à côté. On y est aussi. C'est quoi comme voiture ça? C'est une... Bon, on leur laisse l'école. Ah, Buffalo ou Dominator? On fera le début de CP sur une berline noire, un axe jaune STR. Une berline là, STR. On redescend Great Ocean direction sud. Oh, 92. Ah oui, quand même. Ouais, mais du coup, c'est notre voiture que tu flashes. Bah, je dirais que c'est la Buffalo, mais bon, vu qu'elle roule aussi vite que celle de devant. Est-ce qu'on tente de faire un crochet pour essayer de le choper ailleurs? Parce que ça sert à rien de se suivre de bagnole. Allez, par là. On continue sur Equality Way, direction sud. Delta 1, on va essayer de faire un barrage un peu plus en avant. Je les entends, mais je sais pas où ils sont. Là. Okay. On va vers les canaux. Il est là, derrière. Je suis boulevard direction nord.
Nefana VP. Elle est partie tout droit dans le mur. Sortez les mains en l'air. Est-ce que vous avez besoin qu'on appelle les AMS? Si vous avez répondu, je vous ai pas entendu. De quoi? Non, oui, pardon. Besoin de AMS? Moi, non. Monsieur? Non. Okay. Non, c'est bon. Ah, d'accord. Je vais vous laisser vous déplacer un peu plus vers la droite et puis vous allez voir les collègues. Je vais prendre une pièce d'identité pour commencer. Merci. Oui. Alors, Ronald Jackson, est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait me blesser sur vous? Ouais, j'ai un couteau. Ok, très bien. Oui. Le pic. Bien pris. On est là, t'inquiète. C'est pour moi. Bonjour monsieur, ouais, est-ce que je prends le Switchblade Delta, je le rendrai plus tard. Vous oublierez pas de me le rendre. Hein. Ouais, tout à fait. Ah, même le Switchblade. Hein. Oui. C'est tout monsieur ce Henry Wind, j'ai pas écorché. Pas de soucis. Wind, oui, c'est ça, vous inquiétez pas. Vous êtes je vais fouiller le véhicule aussi. Vas-y. Ok, au moins c'est attention à vous. Bah, je vais pas dire non, je vais dire bon non, vous allez regarder le casier. Ah, mais vous savez, il y en a qui tentent, hein, des fois. Il y en a qui tentent. Bon, manque de chance, c'est franchement un peu de temps pour regarder. On a dit monsieur Wind. Oui. Henri, je vous ai. Il y avait une petite somme quand même dans la boîte à gants. Bon, il y avait combien? Attendez, je compte. 2000. Ok. Très bien, 10, si je me trompe pas. 17 433. Oh, ça va. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait me blesser sur vous et d'illégal? Vous étiez le conducteur. Ok. Ouais. Et on vous a accroché à 192 lors de la CP. Ah non, c'est pas possible. Okay. J'ai mis l'imitateur à 188. Ah ouais, pourtant j'ai 192 affiché sur. Ah bah c'est peut-être pendant le saut, mais je vous assure que j'ai fait en sorte de ne pas dépasser 190. Enfin dans tous les cas, ça change rien. Au pire, je prends l'AXC, je m'en fous, mais je perds pas le permis logiquement. J'ai fait en sorte de ne pas perdre le permis. Ouf, honnêtement, vous êtes sorti, vous avez levé les mains, on a votre identité. Est-ce que vous avez le radar, vous l'activez ou pas? Non, du coup non, vous l'avez pas. D'accord. C'est peut-être vous qui avez. Ouais, c'est possible. Mais c'est pour ça que je... Et après oui je c'est sais pas combien vous l'avez mis. Alors moi ça a flashé au l'angle de au niveau de la station essence à ce moment. C'est à peu près ça l'idée. En ville je pourrais pas vous dire. En ville je pourrais pas vous dire non plus que ça avait déjà flashé avant. Je refais un petit tour de vérification quand même. Après oui comme il dit c'est peut-être le collègue que j'ai flashé. À 192. Donc, même en ville, je fais en sorte d'être à 149 comme ça. Vous étiez braqueur, c'est bien ça. Bah, dans le doute, on vous mettra que. Les câbles. On vous mettra. On vous laisse finir la de 30 à 60. Oui, pas de soucis. Allez, bon, merci. Et. Alors, je regarde juste. Des petites informations. Ah, c'était vous qui conduisiez, oui, c'est bien ça. Ah, c'est moi. Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais. Si ? Est-ce que si je vous pose des questions, vous allez me répondre ou vous allez me dire d'aller me faire copieusement foutre ? Non, ils sont pas dans ce genre là. Ça dépend des questions que vous posez. Hein. Ou du moins, ils le diront pas de cette façon là. Est-ce que vous avez déjà été arrêté aujourd'hui ? Oui. Dans la nuit, oui. Oh, délit de fuite, donc vous êtes en récidive. Ouais, je sais. Que j'ai envie de vous emmener au poste? Pas vraiment. Vous êtes en état d'arrestation à compter de 15h02 pour braquage du spirit ainsi que délit de fuite.
Merde, vous emmenez pas au poste du coup? Ah oh, bah si vous voulez qu'on vous emmène au poste, on peut hein. Oh bah moi la garde à vue ça me dérange pas hein. Après vous avez pas des questions à poser? Première question, qu'est-ce que c'est comme véhicule derrière nous? Vestiaire. Ah, vestiaire, d'accord. Et elle est à vous? Oui, vous vérifiez si vous voulez. Ouais, non, c'est... je vais vérifier si on l'a sur notre dossier ou pas encore. Oh, il y a des chances, oui, quand même. Alors, Jackson, Jackson, et Stafford. Bah non, il l'a pas. Ah bah on a bien. Que la STX. Ah bon? Et bah on va se rajouter ça. Ah, alors, véhicule. Et non, c'est pas Iris que je veux, c'est Ronald. 25, FOY, 324. Donc c'est une VSTR. Vous m'autorisez à passer un call radio juste pour dire que je me suis fait arrêter, je vais sûrement aller au poste. Ouais, pas de soucis. On s'est fait arrêter, je vais sûrement aller au poste. Couleur noire, nacré jaune. Non, t'inquiète pour l'instant. On est le 20. Toujours le 20. Et c'est parfait, c'est rentré. Bah je vais quand même appeler le garage pour... Faut que le mec en fasse tout seul. Donc en vrai elle roule. Elle roule? Oui, elle roule. Ok, ok. Le collègue le ramènera. Oui, oui. Allez, on vous a vu partir tout droit. Je vous cache pas que je m'attendais pas à ce que la voiture elle vole de là-bas jusque dans le mur en fait. Pourtant ouais. J'avais ralenti. D'accord. Maintenant je sais. Ouais, j'apprendrai de mes erreurs. Ah non mais pourtant ouais je pensais qu'elle a... en fait je pensais qu'elle allait retomber un peu plus rapidement que sur ses roues et en fait bah non. Non non elle est partie à l'autre bout de la rue. Ah tant pis la première fois je le prendrai un peu plus vite pour passer le mur hein. Oui. Ouais. Je suis pas sûr que. Ah quoi que. Après je suis pas sûr que la suspension les apprécie. Je suis pas sûr non plus. Parce qu'arriver de l'autre côté Non, je crois que. Ah, crois ouais, que, ouais, c'est non, pas, non, c'est pas fou que, de l'autre côté. Hein. Je pense que l'avant il meurt, je crois. Je pense aussi. Après, ça va, c'est que le côté qui a pris. Je me... Bon, est-ce que j'ai quand même des questions à vous poser? Bah, ouais, mais dans le café, autant les poser là-bas au poste. Parce que je crois que le collègue il a pas décidé de vous emmener au poste. Hein. Lui qui est en train de poser toutes les questions ici. Ouais, je sais pas ce qu'il pose comme question donc. Bon, je vais essayer de trouver des questions. Henri, il dit pas tout. Hein. Ah, j'ai tout dit. J'ai dit qu'hier soir, on avait fait une soirée arrosée et que ce qui s'est passé, c'était affolant. Ouais, uh-huh. Ce qui se passe au quartier Trickster reste au quartier Trickster. Hein. Ah bon? Merde! Ah, je savais pas. Ah, c'est qui le matricule? Parce que du coup, il va falloir faire un lavage de cerveau là. Aucune idée, j'ai même pas demandé. C'est quoi votre matricule? Ah, bah vous êtes pas obligé. 06, eh, bon chiffre, j'aime bien. Ça fait un moment d'ailleurs que je crois qu'on vous a pas vu sur des braquages de supérettes. Bah, hier soir. Alors, avant hier soir. je sais pas, c'est peut-être parce qu'on est trop rapide. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Hier soir. De 47 et... Pas si c'était vous, mais on suivait un vagrant noir nacré jaune. Ah non, alors. Moi je vais pas vous mentir. Alors, mm-hmm. J'aime bien le vagrant pour m'amuser. De 44. Je l'ai déjà dit, même. Je pense c'est à 21, je l'ai dit, il y a d'autres officiers. En CP, je trouve ça un peu trop pété. C'est pas drôle. Ah bah c'est les virages, hein. Les virages, ça prend des virages de fou. Ah non, mais bien en sûr, fait, merci pour toutes ces informations hyper intéressantes. Hein. En vagrant, si on veut, en fait, vous nous suivez là en ligne droite, on fait un demi-tour, nous on repart, enfin le ravagrant on repart et vous Ah oui, oui. Ouais, on a un coup de frein à main. Ouais, il y avait pas mal de moulins. Ah, il y avait un petit peu. Par contre, je vais bien récupérer mon point américain. Bah, je vais vous amender, je pense qu'on va vous laisser repartir ici.
Moi j'ai, ouais, déjà, sympa. J'ai déjà procédé à la main. Bah oui, je m'en suis douté, vu que t'avais l'air de très occupé à discuter avec lui. Ouais, ah, j'ai tenté des ça trucs. Non, 66, ça dépend, il y a qui au PDP. Il y a qui au PDP? Alors attendez, on va regarder ça. Qui est au PDP actuellement? En théorie, il y a personne. Ah bon, bah dommage. Ah. Attendez, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais le poser là. Je vous laisse le récupérer. Ouais, alors, parce qu'il faut que je fasse des calculs très scientifiques. Tout d'abord. Merci. Ah bah oui, bah déjà. J'allais sur mon AXDPN, ça peut être normal. Alors, nous avons le délit de fuite en récidive, ce qui nous fait 18 000. Oui. Ah, vous pouvez paraître la main seulement ? C'est sympa. Bah, le truc, c'est que. Que non. Que non, en fait. C'est en récidive. Alors, on va pas compter que c'est vitesse à 60, mais entre 30 et 60. C'est quoi quand même ? On a traversé 750. Ça donc 16 750. Ok. De 44, 16 750. Alors, délit de fuite. Qui arrive au PDP, donc récidive. Vous savez, c'est vraiment grosse. Tiens, le connerie, cette histoire de récidive à 24 heures. Hein. Bah, du PDP, si elle peut oui et non. La commande. Ouais, pourquoi une. Okay, bah, techniquement, vous êtes en récidive. Ah non, mais oui, j'ai fait récidive, ça, y'a pas de soucis. Hein. Pourquoi vous trouvez que c'est une connerie? C'est long, 24 heures. Vous vous faites pas chier des fois? Bah 12, ça pourrait être pas mal, la moitié. J'ai connu. Y'a pas des moments où vous êtes un peu chier quand on est un peu trop en récidive? Ah, oula, ouf. Si vous saviez. Ah bah, c'est ça joue beaucoup. Mais j'ai une vue antérieure où c'était beaucoup plus long. Ah oui? Ah oui, oui, c'était dans les 48 heures, c'était l'enfer. What? 48 heures? Ah oui, mais en fait, du coup, ouais. Bah, du coup, Vous chopez les crémies, après ils dorment, quoi. Oui, du coup. Enfin, oui. Dans la vie antérieure, j'étais pas policier, mais. Voilà, vous avez un délai d'une semaine pour payer l'amende. Passer le délai, c'est payé, c'est merveilleux. J'ai même pas le temps de finir la phrase, que maintenant il a. Direct, hein, ça sert à rien d'attendre. Amende. C'était combien? J'ai pas regardé, c'était combien? Faut que je me l'aide dans ma petite. 16 750. 16 750. Désolé, je suis encore un peu de paperasse, hein. Après, si vous voulez. Ouais, pas de soucis. Ah, loin de moi l'idée de foutre la merde. Si vous voulez me donner d'autres informations hyper intéressantes pour nous. Motif. C'est long. C'était quoi? Délit. Alors, je vous donne une information, mais délit, c'est circule en ville. Excès de vitesse. Oui. Attention, si vous sortez un taser, ouais. Il y a du noir et du jaune dessus, on peut vous prendre pour un membre de Trickster. Ah merde. À vos risques et périls. Tout à l'heure, je les sors mon taser. Bah oui, mais. Apparemment, dès qu'il y a un peu de noir et de jaune, on ne sait pas forcément les tricks. Henri ? Mais du coup. Du coup, ils sont sortis, ils se sont dit oh, des collègues ! Henri ? Bah, c'est ça en fait ! C'est des nouveaux courails ! Ah ! J'avoue ! Les nouveaux courails ! Du coup, si j'ai sorti mon taser et que je suis affilié Trickster, vous pouvez avoir plus d'informations du coup, parce que du coup, c'est une information. En tant que star noir un peu. Ah oui, ah, oui d'accord. Nous, on sait, mais c'est les gens en ville. Du coup, c'est dès qu'ils voyaient un peu noir et jaune, ils disent c'est les Tricksters. C'est tout bon pour moi. Je vais vous rendre tout de suite avant que j'oublie. Ah bah non, je vais pas l'utiliser. Quelle idée. Ah, quel enfer. Ouais, on va y aller. Voilà. Oui, je voulais le donner. Et le donner. Ah, merci. Et de rien. Je vais faire des saisies aussi, vu qu'il a l'air d'avoir très envie de discuter. Énormément. Et ça c'est réglé. Oh là là. J-A-C-K. S-O-N. Ronald. Euh, 17-433. Et un lockpick. Non, c'est ça. Et moi aussi j'ai un lockpick. Oui, c'est bien ça. Juste ça du coup. Ok. Alors on rigole, mais n'oublie pas de manger et boire. Ouais, et c'est important. Le même casier, mais ouais. Non, ça va, nickel.
Si, manger, faudrait que j'aille chercher quelque chose à manger, mais. Mais c'est tout bon pour moi. Bon, bah, messieurs, même ça, si c'est marche. Agréable, j'espère ne pas vous recroiser. Ah bon? Ah bah là, non, je suis en récidive de délit de fuite, donc. Bah, vous, récidive de délit de fuite, le monsieur, récidive de braquage. Voilà, vous mettez en passager, vous mettez au conduite, et voilà. Non, ce que je vous conseille, c'est que là, il y a un skatepark. Ah, mais 66, vous allez pouvoir éclairer ma lanterne. Ah oui. Parce que. En fait, là, vous nous sentez un deuxième son de cloche qui est différent d'hier. Dites-moi. Soi-disant, logiquement, c'est censé être. Qu'importe le conducteur ou le passager, c'est censé être complicité. Oui. Donc certains agents mettent braquage plus délit. Quoi qu'il arrive. C'est pas faux. Parce que techniquement, il monte dans la voiture. Vous partez en délit de fuite, donc lui, il est complicité de délit de fuite. Ouais, là j'ai amendé le monsieur en tout cas uniquement. Alors, pour braquage. Attendez, je vais en fait, partir, je sens que je vais prendre une amende. Ciao. Non, dans tous les cas, on pourra pas vous amender vu qu'on vous a déjà amendé pour le délit commis. En fait, ça revient au truc de la récidive et que du coup, attendez, on va. Apparemment, vous vous faites chier parce que on est en récidive surtout. Tentons le texte de loi. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver ça rapidement? Ça, c'est une très bonne question. Je sais qu'hier on a entendu que c'était normalement c'était censé être les deux. Mais. Infraction routière, non. Intégrité physique, non. Morale, non plus. Tantôt bien, moi. Pour moi, les amendes, c'est une interprétation, mais les amendes ne sont pas cumulables. Par contre, on peut mettre. Sur votre panel. Voilà, mais on peut mettre ce que vous avez fait. Non, mais je veux dire, on peut pas vous mettre l'amende pour le délit de fuite plus le braquage. Oui, non, mais ça, oui, les amendes sont pas cumulées. Ouais. Mais c'est le fait que ce soit écrit en fait qui fait que derrière on prend récidive pour l'un ou l'autre en fait. Mais moi à chaque fois en fait, je mets uniquement, de mon côté en tout cas, je mets uniquement le motif pour lequel je vous ai arrêté. Genre là, pour monsieur, c'est braquage de supérette. Typiquement, on vous chope après sur un braquage d'ATM, pour moi c'est pas une récidive. En tout cas, moi je l'interpréterai pas comme ça. Alors attendez, et toi tu as l'infraction de la personne qui commet les faits incriminés ou bien qui tente de commettre un délit ou un crime, oui? Est considéré comme complicité le fait d'apporter son aide à l'auteur d'une infraction, que ce soit directement dans l'accomplissement de l'infraction ou indirectement dans la mise en œuvre, comme la mise à disposition d'un logement, d'un lieu de retraite, d'une aide financière ou d'un autre moyen. Donc est-ce que le fait de monter dans la voiture et que le gars se barre fait que vous êtes complice de délit de fuite? Ouais, je pense. Ah, c'est comme... Ouais, c'est, je sais pas. Bon, faudra voir, il y a bientôt un futur gouvernement, donc faudra voir directement. Ouais. En fait, ce sera bien, bien clair. On a eu une longue discussion avec 55, notamment hier, quand on était en garde à vue. Parce que du coup, c'est. Tant pis pour nous, et entre guillemets, tant mieux pour vous. Vous avez aussi d'autres. Vous faites éviter de poursuivre tout le temps des criminels ou. Vous faites bosser sur d'autres trucs, vous avez d'autres trucs à bosser aussi, on est d'accord. Hein. Mmh. 21 ne l'a pas caché non plus, mais. Nous, du coup, en fait, on va dire que techniquement, allez, la récidive, encore, on peut l'encaisser, c'est pas trop grave. La multi, ça fait faire. Un peu plus mal au portefeuille. Combien, mais du coup, si on prend les deux à chaque fois, on prend au pire une double récidive sur les deux. Enfin, les deux personnes prennent double récidive, mais. Après, les personnes vont dodo, quoi. Ou font du civil. Ouais. D'où aussi notre début de discussion sur la durée de la récidive. Qui sera potentiellement discutée avec le futur gouvernement s'ils sont ouverts à la discussion. Après, je sais que le LSPD aura son mot à dire là-dessus aussi. Je sais que d'autres agents. Le truc, c'est que là, dans notre tableau, on n'a pas de peine pour la multi-récidive. Donc, est-ce qu'on applique tout le temps la récidive, même si vous êtes en multi? Ah, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas écrit de multi-récidive. Ah, ouais. Va pas te donner de mauvaises idées, toi. Non, mais après, on s'en fout. Mais c'est juste que. Ouais. En fait, c'est pas un principe dans le truc. C'est généralement, on va dire. Là par exemple, moi là je suis en multi, je serais potentiellement. Ouais, le truc là j'ai déjà pris la récidive du délit de fuite. Du coup, je vous le dis clairement, vous n'allez pas me choper sur un délit de fuite. Hein. Enfin, je vais pas faire de délit de fuite en fait. Ah tiens, voilà, l'état de multi-récidive est contesté dès lors que la personne déjà en état de récidive. Oui, mais ça c'est pas le souci. Ah si, d'accord. Peut-être condamné au double des peines pour récidive simple. D'accord, si, donc ça, oui. Oui, c'est 32 fou, 000.
Voilà, ça vous ferait 32 000 si vous êtes en multi. Oui. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Ça commence. En fait, ça commence à piquer du coup. Ah, ça fiche. Ouais. Voilà. En fait, potentiellement. Dans ces moments-là, tu ranges tout, tu prends 2 euros et tu vas faire un billard. Mais après, c'est ce que je me demandais. En fait. Ça vous fait vraiment mal ces amendes ou pas? Parce que vous avez comme des véhicules qui coûtent relativement cher. Alors, donc je sais pas. Non mais alors. Trop ce que ça représente. Enfin, c'est... Là, j'ai fait. Là, je savais que j'étais en récidive hein, vu que je me suis fait arrêter à 2h du matin. Si ça me. Là, si la récidive me faisait si mal, il aurait pas pris ça. Voilà. Mais on est d'accord. Là, la multi-récidive, je vous cache pas, oui, ça commence à piquer. Mmh. Ok. Je vois. On peut. Alors, je vais pas vous mentir, je vais être honnête. On peut potentiellement s'amuser à en avoir une, voire deux. Ok. C'est pas tout le groupe. Donc, clairement, là, je viens d'amender monsieur à 6000. Il le sent pas passer. Oh, si, les 6000, ça va. Bah, c'est. En fait. C'est... attendez, que je prenne l'annexe des peines. La question c'est est-ce qu'il y a multi-récidive de multi-récidive ? Voilà, c'est braquage de supérette, je viens de mettre 6000 à monsieur, je vous laisse regarder où est-ce que ça rentre dans la case. Ah mais par exemple, imaginons... Ah ouais, oh, t'as été sympa. Ouais, bah il... ah, ouais. Ça a été sympa, ça n'a pas été violent, on a pu discuter. Vous avez mis plus que notre minimal, c'est sympa. Non mais même sur braquage de sup, on prend 9000 de base, d'accord ? Ah bah, notre minimum nous c'est 9000. Ouais, donc, j'étais sympa en fait, je me suis planté de ligne, dis donc. Je vous ai mis 16 700, c'était 18000 normalement. Oh la vache, il était sympa aussi. C'est fou ça. Ah, mais c'est bien, faut rester comme ça, c'est bien. Non, et on va mettre ça sur le fait qu'il n'y a pas eu de petite patrouille, c'est pour ça. Ouais. Enfin, en fait, là, même si j'aurais pris 18000 plus l'excès. Moi ça faisait 18750. Je m'en fous royal. Mais c'est ce que je vous dis en fait derrière, là je vais pas refaire un délai du, pour oui, prendre, ça fait du 36 000, pour 18 000 fois 2. Ouais. Enfin en soi je pourrais si je suis le seul à prendre la multi-récidive. Si on est plusieurs, ça, oui ça commence un peu ouais, à faire ferait, des grosses sommes. Si vous êtes deux ça ferait du 72 000, aïe. Ah oui c'est pour ça. Ouais. Comment ça, si vous êtes deux, ça fait 72 000. Bah, s'il est en multi-récidive et que son compère est en multi-récidive oui, aussi, ah, bah, deux, bah, ça fait 2 fois 36 000 donc... Ça fait ouais, moi j'ai mis le braquage donc de sup. Ouais, ouais. Oui, mais on parle. Même le braquage en soi, là il pourrait. D'accord, ok, oui, si c'est groupe. Là, imaginons, ouais. Il est. Voilà, si, en fait, si. Là, moi, par exemple, partant du principe, je suis pas. J'ai rien fait. Vous me chopez la première fois, je fais un braquage, vous me chopez. Mm-hmm. Bon, je prends. C'est 9000 balles. Je prends braquage, donc je prends 9000 balles. Vous me notez donc braquage plus délit de fuite, du coup. Forcément, j'ai pas. Tout à fait. Donc, bref. De Delta 2, on va prendre sur les dernières ventes de drogue. Une connerie. Centrale, c'est bien. Deux heures après, vous retombez dessus, je perds la CP encore une fois. Je prends la récidive. Récidive de braquage et de délit. En 24 000 du coup. 24. Ah oui, déjà. À la récidive braquage. Ah oui, en effet, ouais. 24 000. Là encore, et ça va. Ah ah, et c'est après, vous faites choper 48 000 ça va, oui. Ça va, après... et on a pas tout. Il y a que moi qui a une problème de vision. Ouais. Allô? Oui. Ah, ça va mieux j'ai l'impression. Oui. Vous, ok. Vous aussi, vous avez oui. Vu, oui. R2D2, ouais. Alors je vous prends une explication. Donc, je me fais choper une fois, paf, 9000. Je me fais choper ouais. Une deuxième fois, récidive, paf, 18000. Je me dis, bon allez, je tente une troisième fois, paf, je suis une meuf. Ah non, je suis c'était 24000. Je me fais choper, paf. Ça fait 48000. 48000, bon ça. Non, parce que c'est super hête. Donc paf, 48000. Bon, ça fait mal au cul. Là, je me dis, bon, je m'arrête parce que sinon, moi, je prends 100000 balles quoi. Ah oui, 96000, ouais. Donc à ce moment-là, ouais, ça, à ce moment-là, oui, en gros, ouais, encore la première multi-récidive, bon, ça peut potentiellement passer si on n'est pas 60 à prendre tarif, à le faire. Mm. Mais après on s'arrête quoi. Oui, oui, c'est sûr. Ça coûte cher après. Bah, vous imaginez, là je prends, je fais 3 braquages de supérette, je me fais arrêter 3 fois donc je prends 96 000. Mm. C'est presque le prix d'une rapide GT que je veux m'acheter. Ah oui, 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 oui.
Puis après, dans ce cas-là, bah, je suis obligé de faire des trucs en vagrant, monter les montagnes que vous pouvez pas. Un truc chiant, quoi. Et ça énerve. Oui, après, voilà, après ça énerve. En plus, t'arrives, on prend directement la max. C'est vrai. Et puis, c'est pas drôle. Quand tu commences à grimper dans les montagnes, c'est pas drôle. Ouais, alors je t'avoue, si j'étais multi-récidive x2, oui, rien à foutre. Désolé, je l'avoue, j'aurais pas de race. Hein. Je veux dire, il y en a, ils ont pas de récidive, rien, et direct, ils vont essayer d'aller grimper dans les montagnes. Bah eux, s'ils sont chopés, c'est la max. Hein. Et encore, enfin bref. On va vous laisser, on va aller réparer pour la deuxième fois cette putain de VSTR. Bah, bonne journée à vous. Et... Bonne journée. Ah ouais, bah de même. Puis du coup, on croise pas plus tard. Bah non. Plus tard on va peut-être faire plus tard. Non, pas pour un donné de suite en tout cas. Ah, mais j'ai essayé de négocier le café, mais ils veulent pas payer le café. Dommage. Ah, mais s'ils gagnent en plus, putain, ils abusent quoi. Nous ? Bah, je pense que vous gagnez mieux que nous. Ouais, je pense aussi. On a des amendes en plus, n'oubliez pas ça. Honnêtement, j'en mettrais pas ma main coupée. C'est quoi comme véhicule? C'est quoi comme véhicule? Ouais. La VSTR, elle coûte combien la VSTR déjà? Oh, pas loin de 600. 600? Ouais. Je vu que vous aviez un autre véhicule aussi sur le panel. Si je dis pas de bêtises, la custo faut rajouter 700. Ouais, je regarde monsieur Wind a déjà un Camacho et un Vagrant. C'est deux voitures qui pour moi sont largement redondantes. Ouais, on est là, t'inquiète. Comment vous savez ça? Je me suis jamais fait arrêter avec ça, moi. Non, on n'est pas au PDP au final. Il y avait personne au PDP donc j'ai dit oh non, j'y vais pas du coup. Comment vous savez que j'ai ça? Je me suis jamais fait avoir avec ces véhicules-là. C'est le STX aussi. C'est notre boulot de savoir. Oui, il y a Buffalo STX. C'est moins cher le Buffalo STX. 412 000. C'est qu'on l'a su dans notre moyen. Ah bah oui, bah quand même. Si on accumule les deux, ça fait du 1 million. Mais je suppose que je vais certainement en avoir d'autres. Elle est full en plus. Ouais, donc on double le prix à voir. Ouais. Oh. Alors là, la VCR, 700 000, la custo. Ah, j'ai une coquette des 10. Pouf. Et la STX, je sais plus, je crois que c'était 550, je crois. Ouais, ça fait cher quand même. Ouais, vous savez, il y en a qui ont une jugular à 1,5 million et ils l'ont full custo et ça coûte 2 millions, hein, donc bon. Oui, d'accord. Je suis pas. On n'est pas à ça près. Donc eux, en tout cas, ils gagnent beaucoup plus que nous. Après, j'ai failli avoir un cadeau à 2 millions, je vais pas mentir. Un cadeau à 2 millions, hein? Ouais. Ouais, en fait, la VSTR a été gagnée sur un tirage au sort. D'accord. Et dans le tirage au sort, il y avait une S80RR à 2 100 000. C'est quoi ça? C'est un véhicule qui roule très vite. Qui roule très vite sur le trottoir? C'était une compacte. Une club. Non, pas une club. Non, c'est pas une club ça. C'est un cube. Non, dans le tirage au sort, donc il y avait la S80RR qui est un véhicule une place à 2 millions. C'est le tirage au sort de quoi? Mm-hmm. Ticket non? Ouais, ticket de loterie pour un véhicule. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait la VSTR, il y avait. La DCF large. Centrale bien reçu. Et quoi d'autre? La Comet Retro Custom. Et la Gester RR. De ta 2, on se prend à la Maze pour les dernières ventes. D'accord, la tombe là est tombée sur la veste. Bien reçu. Delta, faites un retour PDP, formé pour 1 avec 51. Ah, je crois qu'on va devoir y aller. Ah bon, pour Delta, ouais, en effet. Et bah, bonne journée à vous, messieurs. On vous appelle plus tard. Oui. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure que vous parlez, dans la gueule. Il y avait rien qui se passait. Il y avait rien. Et là, on va juste récupérer un collègue. Je vais faire un call radio. Putain, les gars, on occupait 66, vous auriez pu faire toutes les supérettes du Nord. Ah oui, j'ai pas dit qu'on était seuls. Bon, allez. Bonne journée à vous, messieurs. Ah oui, attends, mais t'inquiète, je rigole.
Allez, bon courage. Allez, bon c'est parti. Bonne journée. Ciao. Alors, petit call radio, les super donneurs vont sonner. J'ai fermé la voiture à clé. Elle est ouverte. Pas pour moi. Elle est fermée. Putain, centralisation. Elle est... Ah merde, bon, j'arrête. Attends. Tu me dis quand bon. Voilà, t'as non, cassé la vitre. Non, mais elle est ouverte. T'as cassé la vitre cassée. C'est parfait. Mais... Nickel. Elle était... Oh, elle était ouverte, pas cassée. Parce que je dois toujours. En fait, c'est chiant quand on doit prendre des photos sur un truc de drogue. Elle est vite teintée, tu sais. Tu... Ah oui, tout. Bah, c'est dégueulasse en plus. Du coup, à chaque fois, je l'ouvre et puis. PDP, on va faire ton gars. Ouais. Après Pearl, parce que sinon on va perdre en 66. Centrale, comment on va former un tango? Est-ce que vous voulez que je récupère la centrale? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi? Ça me dérange pas de le faire. Moi ça me dérange pas de le faire. Hein. Et bien, centrale devenait Delta 1 et tango 1 devient centrale. Là, tac tac. Et voilà. De Delta 2, pied à terre à la Maze Arena pour les dernières fois. Oh, centrale bien pris. Bah, je m'occupe de la radio tranquille ou bilou. Ça me dérange pas de faire ça. Puis on charge à 51 avec nous. Ah si, j'en profite pour déposer les CPU aussi. Tiens. Oui, bah j'ai fait pareil. On va se poser la tuture juste là. Et on fait les retours. Hip. On va rapidement déposer les saisies. Ouais, on a un dépôt de saisie à faire. Faites-vous plaisir. Et alors, dans le canal de saisie, j'ai mis quasi un, mais je crois qu'il est plein. Non, okay. Ouais. Oh. J'ai même pas mis dans le canal de saisie encore, je vais le faire là. Oh, je vais le faire. Pardon, micro. Il est plein du coup là. Je te laisse faire d'abord, sinon ça fout la merde, je crois. Quand on avait tous les deux les mains dans le tiroir. Hop, ça c'est bon. Lui, il avait que le lockpick. Pourquoi t'es au bureau? Ah, tu te mets au bureau quand tu descends? Ok. Hop. Vu que le 1 est plein, je le mets en quoi? Tu m'as dit? Ok. Et on est bon, je vais modifier sur le... Et on est bon. Et ben c'est parfait. Plus rien. Et Tango 1, reprise de patrouille, débarque. Delta 2, reprise de patrouille RAS à la maison. J'ai dit Tango 1, c'est central. Central. Ça bouge un peu ou c'est calme? On a eu 2-3 supérettes et un peu de drogue pour l'instant. Donc...
rien de ouf quoi. Là, juste les tricksters qu'on a arrêtés. Pour rigoler, ils ont passé un col en disant c'est bon, on les occupe, vous pouvez faire la super du Nord. Ouais, et il n'y a personne au Nord. Ils sont quand même cool, les tricksters, quand on les arrête. Ouais, ouais. Mais ils savent qu'on peut être méchant et un peu taper fort. Et c'est ça, ils en sont conscients, ils font pas les fous, ils se rendent compte que si on frappe fort, c'est qu'ils ont fait une connerie. Elle a pris quoi hier Erilis. Une connerie sur B-City. 12 ouais, 000, elle a pris. Agression physique, et oui, elle a tapé 12. Centrale à 2 km de la vente de drogue de B-City, on y va. Bah là, il est en récidive de l'étude, donc j'ai pris. Alors, j'ai pris 16 750 parce que j'ai mal lu et en fait, c'était 18 000 à la base de l'étude. Pour 2 000 balles près. Ouais. Pff. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il pleure. Les peines, elles sont sévères. Et tatati, et tatata. Et après, toutes les semaines, ils achètent une voiture à 1,5 million. C'est ça. Alors, c'est et chacun, et 1,5 million chacun. C'est la question c'est la question que je leur ai posée. Visiblement, ils pleurent en fait à partir de la deuxième, déjà de la première récidive, ça commence à leur piquer un peu le cul. Et la multi, et après, ça leur coupe un bras. Ouais, ça leur coupe un bras, d'accord. Ah oui, parce qu'ils peuvent pas acheter la voiture à 1 million à la fin de la semaine. Bah, là, en fait, là, à la CP, ils sont arrivés de là à gauche et ils sont allés tout droit dans le mur. Ah, ça arrivait trop vite donc ils ont décollé et paf. Sur la vente de Bessie Incline, juste en dessous du. Central bien pris, on sera au-dessus de vous. Juste en dessous. Mais attends, ils vont en face des tricksters là. Ouais. Ah non, c'est un peu au-dessus. Ouais. En fait, la Wivan, c'est la passerelle piétonne ouais. Tu sais, qui mène jusqu'à l'autoroute. Mm-hmm. Qui traverse et qui va à la plage. Ouais, ouais. J'enlève le point. On est tranquille. Non, même pas, c'est le croisement. Même pas la passerelle, c'est le croisement. Pour descendre. Ok. Eclipse Boulevard. Ouais. Le mieux c'est que tu t'avances. Tu t'avances, on y va là, la zone de vente. Et tu te cales quelque part en mode radar. Comme ça s'ils gueulent, on dira ben on fait du radar. Mais ils sont là, ils vendent juste là. Continue à avancer. Bon ouais, tout doucement, on verra bien si on voit quelqu'un. Ouais, ils sont là dans la descente. Attends, j'ai quelqu'un à droite. Ouais, sur le. Data, retour PDP. Sur la rambarde. Centrale du PDP. J'avais quelqu'un en haut. Ah, il vient vers nous. Et qu'est-ce qu'il mais pourquoi ça va, monsieur? Aïe. Madame. Madame, pardon. Tout va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, j'ai glissé. J'ai pas tâché. Il y avait de l'huile par terre. D'accord, vous avez couru vers nous, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Et puis vous êtes écrasé contre la portière. J'ai glissé. Attention. Vous avez besoin de GMS, non ça va? Non, ça va. D'état 2, il reste. Je suis bien rattrapé. On vous fait des cadeaux, on va ça va 66 Ah bah très bien, vous. Non. Centrale de prix, non, interdit. Oui, oui. Plus jamais. Pas de suite. Plus jamais. Non. T'es quoi ça? Non. Je suis pas au courant de tout, moi. Bah, c'est normal, t'as pas de barbe Windows Smash. Donc tu peux pas. Remarque, pas couper les cheveux. Non, pas de. Ne mettez pas tout seul. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait du contrôle radar. Ah bon? Ouais. D'accord. Enfin, techniquement, non, là on vous parle, mais à la base, c'est pour ça. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Mais je me balade. Hein? Bah oui. Alors, vous voyez des choses jolies dans cette balade? Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a des personnes louches? Il y a des Jenkins. Ah ouais, ça.
Il y en a partout. Il y en a partout. Dans cette ville, il y en a partout. Ouais, c'est rempli de Jenkins. Hein. Vous êtes un Jenkins, vous ? Je dis oui. Ah, c'est mal fumé, faut pas rester toute seule ici. Heureusement qu'on est là pour votre sécurité. Ne vous inquiétez pas, j'ai besoin d'être un. Vous êtes pas une Jenkins, vous ? Mais non, ça va pas, non ? Ah, ça va. C'est le principal. Ouais, mais on sait jamais des fois. Bah oui, bah oui. Il y en a qui cachent bien leur jeu. Bah oui. Je vois plus le matin d'ailleurs. En ce moment ? Ouais. Oui. J'ai des choses à faire. Ah bah d'accord. J'ai du travail. Mmh. Bah oui, tous les matins, chez moi, tu vois, j'ai un ordinateur. Et ben, je suis des cours. Ah! Mais oui! Oh, et du coup, je peux plus faire de bêtises! Bah, c'est bien! Yes. Bah, on va le faire l'après-midi aussi! Bah, non! Les études, ça vous a un bon emploi et puis. Voilà! Et dans 30 jours, vous avez plus de casier! Et par contre, LSPD! Et je rentre au LSPD, c'est ça? Exactement! Au LSPD! Ah. Ou vous devenez procureur! Aussi! Bah, aussi! Procureur non, Winston! Non? Non bon, on va aller la chercher, je vais faire un delta avec elle. Delta 1, fin de service de 72. Ah oui, non, c'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre. Non. Bon bah. Procureur Winston. Oh là là. Ouais, ça sonne bien en plus. Imaginez, vous recevrez des appels de l'ESPD. Bonjour madame la procureure, on a besoin de vous au bonjour, PDP. Bonjour, je m'appelle Irélis Jackson, je viens déposer une plainte, madame la procureure. Pouvez-vous prendre ma plainte contre le ESPD, s'il vous plaît? Non. Ok. Mais dans 30 jours, vous pouvez même vous présenter au gouvernement. Au gouvernement ? Gouverneur Winston. Vice-gouverneur. Vice-gouverneur Winston. Avec monsieur gouverneur Morrison. Ah, oui. Hein. Voilà. Vous faites plus de bêtises pendant un mois et c'est bon. Merveilleux. Vous mettez monsieur Corvo, ministre de la Justice. Non mais ça va pas. Mettez monsieur Crouel aux finances et d'autres monsieur Lebeau pour les activités. Si j'étais Animation. Président de la non, de Los Santos. Hein. Je mettrais Mickey en premier ministre. Mickey ? Non. Ah oui. Ben oui. Et Donald à la justice, et Mini aux finances, si j'étais présidente. Ça passe, non ? Mmh. Ouais. Oui. Vous avez fait Los Santos Got Talent ? Non. Pourquoi ? Il fallait ? Non, mais non. Ça va pas, non ? Ah, si, très bien, et vous ? Bah, ouais, ça va. Parfait. Bah, nickel. On prie le service. J'entends jamais immatricule à la radio. T'inquiète pas, c'est parce qu'en fait il parle trop vite après avoir appuyé sur le bouton, ce qui fait qu'on n'entend pas le début. Yeah. Bref. Voilà. Oh, mais sur ce, le tour nous appelle. Bonjour, oui, madame Winston, et puis faites attention de ne pas glisser sur les flaques d'huile. Comment ? Je disais, faites attention de ne pas glisser sur les flaques d'huile. C'est dangereux. Bien reçu, non. Allez, fuyons. Il y a 0-3. Allez. Début de service. Ok, bah alors 0-3-55, vous formerez Delta. Ah bah oui, j'ai coupé le moteur, fantastique. On va activer le radar, vous pouvez passer très vite devant si vous voulez. Ok, pas de soucis. 12-94, vous m'attendez, j'arrive. Active le radar, dépêche-toi, vite. 10. 95 le radar. 10. 95 90. 85, mais 85. On s'en est sûr qu'on la flash. 50. est-ce que j'ai le numéro de 55? Il s'est mis au bureau, je sais pas si. Ouais, ouais, non, laisse-le. Au bureau, je partirai à 03. Ah. Et... Ok, je me mets dans ma tête juste une seconde. Pas de soucis. Elle va passer, attention. Elle prend de l'élan. Elle prend beaucoup d'élan. Et elle va s'arrêter au dernier moment pour pas que ça flash.
Quelle déception. 87. Ah, elle recommence, c'était assez vite. Ah 105. Vous êtes vraiment trop fort, hein? Madame Winston. Ah, vraiment. Limité à 105 km/h. Hop. Oh là. Non. Limité à 4. Allez, c'est parti. Salut. Allez. Ah bah génial, il me pique le volant maintenant. Ouais, j'ai failli me faire écraser. Bon, t'es... Allez. Vite, on réunit les radars. Vite. Ok, c'est bon. Ouais, on peut aller au bureau. Ouais. On va récupérer. Ouais, il a dit qu'il y a 03 qui prenait le. Si, mais 55 qui est au bureau. D'accord. Il a la paperasse pour certains dossiers. Ok, ok. Au pire, reprenez 03 et je vais parler vite fait avec 55 bon, au bureau. On a une réunion ce soir. Mm-hmm. Bon, les malandrins, ils font pas de criminalité. Il y a plus de criminalité dans cette ville. Il y avait un petit peu d'onde de drogue là au niveau des canaux. Ouais, ouais. Pendant qu'on discute avec Madame Winston. Ça a changé aussi les vendeurs. Ouais, en effet. Merde, le Pearl il est fermé. J'ai Liam Smith qui m'a dit qu'on pouvait trouver de la weed dans le sud de la ville. Dans le sud de la ville. Ouais, donc le seul groupe au sud de la ville, ce serait les BGF. Sauf si c'est pas un groupe. Mm. Y aurait pas un autre groupe qui est dans le sud de la ville? Bah après t'as les outlaws, ceux de Benchark là, mais... Début de patrouille. Ah ben voilà, 96-03. Oui. 94, d'accord. Ben on va mettre 96. Wow. 96-03 formerait Delta 3. Vous serez secteur 1 et 2. Et Delta 2, vous serez secteur 3 et 4. Delta 2, bien pris. Ah, mais ils sont ici, c'est pour ça. Ouais, que j'aille quand ils ouvriront. Oui, je dois passer au Pearl depuis tout à l'heure aussi. Ouais, ouais, ils sont fermés, ils sont au marché. Ah, quel enfer. Parce qu'il me reste 2 bœufs bourguignons. Il me reste 5 pâtes au pesto. Ouais. Bon, après, il me reste 6 verrines et 13 tartes au citron. Ouais, mais ça nourrit pas ça. Bah, ça nourrit un peu. T'as un peu de stress. Ça te vire un peu. On va dire que ça te déstresse et ça te nourrit pas mal. Ouais. Oui, tu veux quand même qu'on dépose au PDP? Central Mépris. Ouais, oui, oui, dépose-moi au PDP. Okay. À la base, on devait y aller pour récupérer 03. Delta 3, on se rend sur la dernière vente de drogue. Central, bien pris. Okay, merci beaucoup. À plus tard. À plus tard.
Oui, allô. Oui, 66. Oui, c'est moi-même. Ouais, désolé de te déranger. Vous êtes à quel niveau là actuellement? Là, on est juste en dessous des EMS. Au niveau des EMS, ok, vas-y, 49. Delta 1, on se rend sur. Attends, de quoi? Attends, de quoi? J'ai pas compris. Mais, ah, mais. Central Mépris. Ici. Attends, faut que je le rappelle, j'ai pas compris, il m'a dit 49. Alors désolé, j'ai été obligé de... Oui, j'ai pas compris, t'as dit 49 quoi? Vous êtes toujours au niveau des EMS? Non. Vous êtes où là? Si, toujours en dessous des EMS. Ok, ils sont toujours en dessous des EMS, 49, vas-y, bombarde, ils sont pas là. Ah, d'accord, ok. vous êtes où là? Ah, tu sais, nous, on se balade un petit peu là. Attends, je t'avais dit, t'as vu, le 220, on le passe là, avec mon taureau. Bonne soirée, bonne soirée. On va aller se mettre par ici. Il y a un moyen de se mettre genre quelque part par là. Tu le mets dans l'herbe à gauche. Ah. Braquage. Il est où? Tout au nord. Point extrême nord. Ah mais d'accord, et bah, on va se mettre le radar. Central, on a 9 km du braquage, je sais pas si l'unité est plus près. Oh, encore tout pété. Quel enfer. Ouais, j'ai tout fait pété. Oui, non, c'est mon radar qui. Ok. Que j'ai tout cassé. Un braquage, mais super loin. Mais non, pas 1500. Oh là là. 1500 km/h. 1550 km/h, bah oui, mais non. Alors, je vais pas placer grand chose. Comment te dire que si jamais on doit essayer de les rattraper, ça va être compliqué. Il y a un avion de chasse qui passe, on l'a flashé. Bon, on va aller vers le tout au nord. Ah, mais 10 minutes il me reste. Ouais, non, ça sert à rien que j'y aille parce que le temps qu'on y monte, qu'on fasse. Non. Dans 10 minutes, je dois prendre son service. Ah, ok, d'accord. Ça sert à rien d'y aller, on va continuer mon petit contrôle radar tout en bas de là. Et, là, on est bien visible. Hein. Ah oui, là. Il met la vitesse. Si c'est flashé, c'est qu'il a envie, quoi. Je le mets à 90 ou pas, là? Techniquement, ils entrent en ville. Donc, ils doivent avoir ralenti. Allez, je le mets à 110. Et surtout qu'il y a une sortie de MS, là. Oui, donc. Potentiellement, il y a une ambulance qui part. Techniquement, il faudrait le mettre à 90. Est-ce que tu veux aller d'abord au garage récupérer la voiture pour la rendre propre et qu'il n'y ait pas de soucis? Ah, sur tes 10 dernières minutes. Ouais, on va faire ça. Central, on passe par le garage et ensuite on fera un retour PDP pour fin de service de 66. De Delta 2, fin de procédure sur monsieur Max, sur retour PDP pour dépôt de saisie. Max. Central bien pris. Non, Max, comment il a dit? On va voir, fin de procédure, est-ce que c'est directement sur le panel? Tac tac. Non, les dernières amendes, c'est nous. Est-ce qu'il y a un truc sur les saisies? Non plus. Il est ouvert, le sud. Et les Delta 3, hein. Oui. Tu fais Delta 2. Delta 3. De quoi? Nous? C'est Delta 3 qui a fini sa procédure. Ah,
Je sais pas. Oh, on a un paquet de véhicules là. La toi qui rentre au PDP, si vous pouvez attendre ensuite, on va rentrer sous 500 points de faire service et on fera la centrale à 3. Bonjour. Une petite réparation, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, mais c'est juste pour faire un petit check-up. D'accord, ok. Vous êtes matricule? 66. Ah bah oui, bah génial. Ah bah vas-y, marche sur le capot. Bon ouais. Carrément. De 44 pour 51 et 55, vous êtes toujours au bureau? Ah si, on attend un médecin pour une enquête. C'est bien pris. Tout se passe bien au garage ? Ah, c'était... C'est compliqué. Après, nous, j'ai une idée de ce que pourraient faire les patrons. Après, moi, je suis pas patron, donc voilà. Mais c'est par exemple déjà rien que mettre, pour faire de la pub au cash-car, une peinture de merde sur les voitures qu'ils rachètent. Donc, il serait. Ouais, voilà. Bon, après, il y aurait pas les cuistots, mais bon. C'est compliqué. C'est. Vous voyez la rébla que je viens de faire avant? Il y a des mécanos après? La personne, je sais pas. Elle a acheté au Concess 350 000. Ah, bonjour! Bien le bonjour! Elle l'aurait acheté neuve.
on aurait peut-être un demi-million à faire en custo. Sauf que là, on n'a pas à les faire, du coup. C'est ça. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ah, non, pas du tout. L'esthétique, faut taper vraiment dans les grosses voitures pour que ça rapporte quelque chose. Hein. Parce que sinon, des custos normales, bon, généralement pour des couleurs et tout, allez, on va avoir 1000$, 2000$, voilà. Ah oui? Ouais, les pots qui pétouillent un peu. Mais c'est compliqué, je pense. Bah, on a une réunion. Non, pas. Je sais pas de quoi on va parler, mais c'est vrai que je pense qu'on va parler de tout ce qui se passe pour enfin du manque de. Delta, on se rend sur le dernier point de clients en ce moment, donc je pense qu'on va. Centrale, bien pris. Voilà. Vous êtes matricule combien? Ok. C'est à vous la voiture? Ah non, 66. Mais ouais, c'est... Ah, pourtant vous avez des stages, monsieur. C'est pas bien. Ouais. Vous avez des stages de conduite en plus. Pas fan. Delta 1, Fiateur au niveau du dernier point de drogue. Central, pas bien pris. Vous mettez un coup de polish après? 66, qu'est-ce que tu veux? Coup de polish ou pas coup de polish? Ouais, coup de polish. De toute façon, elle va... Je vais peut-être repartir avec, je sais pas. On va voir. Ouais, c'est quand même plus joli avec le petit coup de polish. Oui, tout de suite. Merci bien. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Et nous voilà.
Et centrale, retour PDP pour fin de service de 66. Je me trompe pas, hein, je te fous pas dehors, tu m'as bien dit. Ah ouais, ouais. Tu parles. Ouais, ouais, ouais. On va voir s'il y a une Delta au PDP, on fera un tango, sinon je partirai en CIRA. Mmh. Oh, est-ce que tu refiles la centrale à quelqu'un? Ouf, c'est même en CIRA, vu que je vais pas prendre de risque, je peux même garder la centrale. Ouais. Et quitte à mettre juste en point de contrôle radar, pas 3 comme le radio pour la centrale. Et coucou! Delta, on vient de retrouver un blessé sur le point de drogue, on appelle les EMS en urgence. Centrale de prix. Est-ce que vous pensez que ça craint? Vous avez besoin qu'une unité se rapproche ou ça devrait aller? Vous pouvez répondre au call, s'il vous plaît. Ouais, sur le plan. Delta, on attend les EMS et on repart. Bien pris. Toi aussi, tu vois le portail qui déconne là? Ouais, 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 il sourit, ferme, il sourit, ferme. Mais il est pas sur la moitié. Ouais. Je pense qu'il y a un... Mais je crois que ça va se résoudre dès qu'on va. Activer le capteur. Voilà, voilà, c'est ça. Je te l'ouvre. On est bon. Bon, je te le mets dans le garage et puis si jamais faut le ressortir. Central. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Oui. Et puis du coup, bah, soit plus tard. Oui, plus tard, ce soir. Ce soir, je sais pas si je serai là, mais on verra. Eh ben, à demain. À plus. À plus tard. Bonsoir. Bonsoir, à tout à l'heure. 66 en service. Paf. On vous envoie chez. Et on va regarder ça. Mmh. Ah, bah tiens, et. Arnaud avec son nouveau personnage. Alors j'ai un doute, mais je crois qu'il va être Crémy, hein, de ce que j'ai pu comprendre. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous dis à ce soir.